Je me nomme Madame Bonazébi Diodrine. Je suis enseignante de lycée. Le cours que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « La course de vitesse de 100 mètres ». Nous allons voir deux points qui sont la définition des concepts et le règlement de la course de vitesse. Mais dans la définition des concepts, nous allons définir quelques concepts qui sont la course, la vitesse et enfin la course de vitesse. Pour ne pas traîner et se lancer dans le travail directement, nous allons définir donc ces concepts. Grand 1, la course de vitesse. Grand 1, la course. Deux points. Qu'est-ce qu'on entend par course? La course de vitesse. Nous avons la course de vitesse, la vitesse en elle-même et la course. Nous définissons tout d'abord ce qu'est la course. La course est un moyen de se déplacer grâce à une succession de foulées marquées par des phases d'appui et la suspension. Donc, courir, c'est l'action. Donc, je disais, la course, c'est l'action de courir, le mouvement de celui qui court. Nous écrivons tout ça au tableau. La course... La course est un moyen, excusez-moi s'il vous plaît, je viens de faire une erreur. Grand 1, petit 1. La course est un moyen. Voilà, la course. Deux points. La course est un moyen. La course est un moyen de se déplacer. De se déplacer grâce à une succession de foulées. À une succession de foulées. À une succession de foulées marquées par des phases. Marquées par des phases. Marquées par des phases et la suspension. Et la suspension. La suspension. Que veut dire course finalement? On écrit tout ça avec un français facile. Action de courir. Action de courir, mouvement, virgule, mouvement de celui qui court. Mouvement de celui qui court. Après, nous passons à la définition de la vitesse. Donc, grand 1, 2, vitesse, la vitesse. La vitesse, c'est la capacité de se déplacer ou de bouger rapidement. La vitesse. Deux points. C'est la capacité de se déplacer. De se déplacer ou de bouger rapidement. Point. Grand 1, 3, course de vitesse. Nous englobons. Grand 1, 3, la course de vitesse. La course de vitesse. Nous donnons la définition. La course de vitesse, c'est quoi? Course de vitesse. Deux points. La course de vitesse, c'est l'action de se déplacer rapidement sur une distance déterminée, en un temps minimum.
C'est l'action. C'est l'action. C'est l'action de se déplacer. De se déplacer rapidement. Rapidement sur une distance déterminée. Sur une distance déterminée. En un temps minimum. En un temps minimum. Au niveau de la course de vitesse, nous allons mettre un point pour expliquer quelque chose. On nous dit que c'est l'action de se déplacer rapidement sur une distance déterminée en un temps minimum. Nous sommes sur la course de 100 mètres. Ce qui revient à dire que la course de vitesse n'est pas seulement une course de 100 mètres. Les 200 mètres sont une course de vitesse, les 400 mètres également. Mais comme nous sommes en terminale, nous ne voyons que le volet sur la course de vitesse de 100 mètres. Maintenant, nous passons au niveau du grand 2, plutôt du but d'abord, le but de la course de vitesse. Donc 1-4. 1-4, le but de la course de vitesse. De la course de vitesse. Quel est le but de la course de vitesse? Le but fondamental de la course de vitesse ou de toutes les épreuves de vitesse est de maximiser, dépasser les limites, la moyenne de la vitesse durant le déroulement de l'activité. C'est-à-dire, en règle, en français simple, son but est de courir le plus vite possible en un temps, donc en seconde, en petite partie de seconde, et vite terminer la course. Je réitère en disant que c'est la course de 100 mètres. Donc, pour les femmes, pour les jeunes femmes, c'est 15 secondes, 16 secondes maximum. Et pour les hommes, 11 et 12 secondes. Voilà pourquoi on dit que c'est le but fondamental. Donc, nous écrivons tout ça au tableau. Je souligne d'abord. Nous passons au but. Le but, but de la course. But de la course de vitesse. Mais étant donné que nous avons numéroté ici, là j'ai fait une erreur, vous m'excusez, il faut bien qu'on numérote là. Donc nous avons le grand 1, hein, ici le grand, excusez-moi, le grand 1, 2, course de vitesse, grand 1, 3, et enfin, grand 1, 4. But de la course de vitesse. Je disais que le but fondamental, le but fondamental, le but fondamental de toutes les épreuves, de toutes les épreuves, de toutes les épreuves de course est de maximiser. Et de maximiser, entre parenthèses, dépasser ses limites. Dépasser ses limites. La moyenne de la vitesse durant la course. La moyenne de la vitesse durant le déroulement. Durant le déroulement de la dite activité, de l'activité. De quelle activité il s'agit ici? L'activité de 100 mètres. Mais quand on dit que le but fondamental de toutes les épreuves de course est de maximiser la moyenne de la vitesse durant le déroulement des épreuves, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Dans toutes les courses de vitesse, que ce soit le 60, les 80, les 100, les 200, les 400,
il faut courir plus vite et donc en moins de secondes. Voilà ce que ça voulait dire. Nous passons donc au grand 2, qu'est le règlement de course. Nous passons au grand 2, qu'est le règlement de course. Vous me permettez que j'efface afin que l'on puisse continuer. Le règlement des courses. Le règlement des courses. Nous avons défini ce que c'est que la course, la vitesse, la course de vitesse et le but. Le grand 2. Grand 2. Le règlement de la course de vitesse. Grand 2. Le règlement de la course de vitesse. Règlement de la course de vitesse. Point. Au niveau du règlement de la course de vitesse, nous avons plusieurs points à développer, mais nous commençons par le grand 1, les caractéristiques d'une course de vitesse. Qu'est-ce qui caractérise la course de vitesse? Et dans cette course de vitesse, nous avons plusieurs points. Nous avons le départ quadrupédique, la réaction au signal, la course accélérée progressive, le contrôle de l'espace et le finish. Nous allons mettre tout ça au tableau. Grand 1, caractéristiques d'une course de vitesse. Caractéristiques d'une course de vitesse. Le premier point, le départ quadrupédique. Quadrupédique. Ici, pourquoi on dit départ quadrupédique, c'est-à-dire les quatre appuis au sol. Voilà pourquoi on parle de départ quadrupédique. La réaction au signal. La réaction au signal. Après, nous avons la course accélérée. La course accélérée. La course accélérée. Le contrôle de l'espace. Le contrôle de l'espace. Le contrôle de l'espace. Et après, nous avons le finish. Bon, au niveau de ces caractéristiques, s'il faut vous expliquer en plus simple, j'ai dit tantôt, le départ quadrupédique, nous avons les quatre appuis au sol, la réaction au signal, le signal, c'est le signal sonore, la course accélérée, c'est-à-dire pendant que vous courez aux 100 mètres en avance, et on y va plus fort, plus vite même. Après, nous avons le contrôle de l'espace. De quel espace il s'agit? Le couloir. Ici, on parle de l'espace, on parle du couloir. Et enfin, le finish. Et au niveau du finish, il y a également une façon de terminer le finish. Nous présentons, ou l'élève présente la tête et non le buste. Et par rapport à ces caractéristiques, étant donné qu'il y en a 5, donc plusieurs, voilà, caractéristiques, attends, j'ai même fait une erreur, caractéristiques d'une course de vitesse, nous ajoutons un S. Voilà au niveau des caractéristiques d'une course de vitesse, ce qui détermine et qui caractérise cette course.
Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, j'aimerais quand même poser une question pour essayer de voir si vous avez retenu concernant la course de 100 mètres. Alors, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question, cite les caractéristiques d'une course de vitesse. Qui peut répondre à cela, surtout que c'est à peine que nous allons devoir. Je vais essayer de voir si vous avez une bonne oreille et une bonne attention. Je disais tantôt, par rapport à cette réponse, par rapport à cette question, les caractéristiques d'une course de vitesse sont le départ quadrupédique. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît, qui veut dire quatre appuis au sol. La réaction au signal, sonore bien évidemment. La course accélérée. Lors d'une course de vitesse, l'élève ne doit pas être stable. Au contraire, il doit ajouter plus de vitesse afin de terminer sa course et de maximiser le temps. Le contrôle de l'espace. Il doit courir comment? De quelle manière? Dans le couloir dans lequel il court. Et enfin, comment termine-t-il sa course, le finish, en présentant sa tête et non son buste? Voilà pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Nous continuerons prochainement cette leçon qu'est la course de vitesse de 100 mètres. Merci.